Bienvenue sur le plateau Nomade du Nadia Lazzoni Show. Avec l'équipe, on s'est installé à Montfermeil dans le cabinet de Madame Selmi, psychologue et clinicienne, le temps de cette troisième émission pour parler ensemble de célibat. Depuis plusieurs années, les démographes attirent notre attention sur la montée du célibat, la réduction de l'écart d'âge entre partenaires et l'âge moyen au mariage qui est de plus en plus avancé. Selon l'INSEE, les femmes sont beaucoup plus concernées par le célibat. 5,4 millions de femmes contre 4 millions d'hommes en 2011. Autre spécificité en France, les jeunes femmes d'origine maghrébine restent plus souvent et plus longtemps célibataires que les autres françaises, selon une étude du sociologue Hervé Flancard qui date de 1999 mais qui n'a pas pris une ride. Mais aux quatre coins du globe, les voix des démographes, anthropologues et sociologues convergent. La conquête du marché du travail par les femmes, leur réussite professionnelle et par là leur indépendance financière explique l'essor du célibat, ou du moins en partie. N'en sommes-nous pas arrivés à occulter l'humanité et l'investissement émotionnel des personnes qui recherchent un partenaire? Derrière les chiffres, les facteurs, les tendances et les phénomènes, il y a des vies, des parcours, des histoires, des cœurs, la solitude et la souffrance amoureuse. C'est pour cette raison qu'avec l'équipe, nous avons choisi de favoriser une lecture psychologique du célibat comme pour mieux comprendre nos maux et trouver des solutions. Madame Selmi, bonjour. Bonjour. Merci infiniment d'avoir accepté notre invitation et de nous accueillir ici dans votre cabinet. Je vais commencer avec notre première question. Dans une société où l'on nous enjoint de penser à soi, de penser à son confort, son bien-être, et où l'on pousse à la réalisation la plus intime de soi et chérir sa liberté à tout prix, on en arrive à une vision plutôt égocentrée des relations humaines. Finalement, n'est-ce pas le triomphe de l'individualisme qui s'exprime dans les sentiments amoureux et qui explique, du moins en partie, l'essor du célibat. En votre qualité d'experte, est-ce que ce lien de cause à effet est avéré? Alors, il faudrait déjà s'entendre sur ce qu'on définit par individualisme. Effectivement, si l'individualisme, c'est, vous l'entendez par le retour vers soi, il faudrait pouvoir le définir de manière plus précise, parce que nous, en tant que psychologue, on prône un petit peu ce côté narcissique, parce qu'on amène effectivement le patient à retourner vers soi, à prendre soin de lui, à essayer d'être dans l'introspection et dans la métacognition. Alors ça, c'est un élément que je vais aborder tout au long de cette intervention. La métacognition, c'est effectivement le fait de pouvoir prendre conscience de ses pensées, de ses émotions et de manière plus globale de son état intérieur. Et de, en fait, un petit peu comme si vous étiez une personne à côté de vous et que vous étiez en train de vous observer, en train d'agir, de ressentir et de penser. D'accord ? Donc effectivement, si l'individualisme c'est dans ce sens-là, je ne pense pas que ce soit ça qui est la cause du célibat. Parce qu'aujourd'hui, l'individualisme il est beaucoup plus tourné vers l'acquisition matérielle finalement l'acquisition matérielle en fait de l'être humain à travers effectivement sa réussite scolaire, le fait de pouvoir avoir un métier valorisé par la société. Donc pour moi, si on entend individualisme je m'occupe de moi et de ma carrière professionnelle et le fait d'acquérir du matériel avant de pouvoir me lancer dans une relation sentimentale, ok. Si on entend individualisme comme le retour vers soi, l'introspection personnelle, comme nous, en tant que psychologue, on peut l'entendre, je ne suis pas réellement d'accord avec ça, parce qu'au contraire, c'est ce qui manque aujourd'hui, en tout cas par rapport à la pratique, au peu de pratique que je peux avoir. Moi, ce que j'observe réellement, c'est le manque d'introspection personnelle et l'attribution causale externe. Ça veut dire qu'on attribue à l'autre, on attribue au cadre familial, on attribue à la communauté le fait qu'on soit célibataire. Mais on ne se pose pas réellement les questions, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui je souffre de ce célibat? Parce qu'il faut quand même rappeler que le célibat n'est pas forcément mal en soi, même si on est célibataire à 35, 40 ans. C'est la souffrance qui en découle de la personne qui est problématique. Donc vraiment la question, c'est de pouvoir se dire, qu'est-ce qui fait aujourd'hui je souffre de célibat et comment je peux remédier de ça? Est-ce que j'ai un rapport à l'homme ou un rapport à la femme qui n'est pas adapté? Est-ce que j'enchaîne les histoires amoureuses qui finalement sont source d'échecs?
pourquoi, est-ce que c'est problématique. Donc vraiment, j'amène vraiment les personnes à réfléchir et être vraiment dans l'introspection de soi. Et quand on parle d'individualisme, je dirais beaucoup plus que c'est notre tendance aujourd'hui à définir le bonheur par une réussite scolaire, une réussite académique et sociale, plutôt qu'une réussite dans le couple. Ça vient beaucoup plus tard. Et ça, effectivement, on peut l'expliquer par le fait que la société a changé, que particulièrement dans les sociétés de culture maghrébine, les familles poussent leurs enfants à être dans cette recherche de science, dans cette recherche académique, pour pouvoir effectivement avoir de la valeur au niveau sociétal. Parce que ce qui se passe aujourd'hui, c'est qu'avant, on pouvait se définir avec un statut marital, on était célibataire, marié, divorcé, et c'était réellement ça qui était le summum de notre valeur. C'était, on se définissait en tant que avec notre statut marital. Aujourd'hui, c'est le statut socio-économique et le statut professionnel qui effectivement définit la personne. C'est plus une évolution au niveau sociétal plutôt que quelque chose qui est de l'ordre de l'individu. D'accord. À l'ère du numérique, nous n'avons jamais été autant virtuellement connectés et physiquement déconnectés. Par exemple, on a des centaines d'amis sur Facebook et on entretient ses relations seules face à son écran. Et en fait, au bout du compte, c'est sa propre image que l'on polie. Est-ce que finalement, cette modernité qui effectivement nous offre plus de liberté de choix, plus d'autonomie, qu'elle soit économique et sociale, mais également plus d'espace pour le développement personnel, engendre aussi plus de solitude et d'isolement et donc de souffrance. Alors cette question, elle fait surtout appel finalement à la perte de qualité au niveau relationnel qu'on peut avoir et on peut l'entendre au sens large, pas uniquement au niveau conjugal. Ça veut dire qu'aujourd'hui, concrètement, on est capable de pouvoir avoir énormément de relations virtuelles, de pouvoir effectivement appeler une personne à l'autre bout du monde, mais à côté de ça, on perd la qualité de relation par rapport aux personnes qui nous entourent. Je vous donne un exemple très concret pour que ça puisse parler. Une famille lambda va dîner un soir. Alors, il y aura énormément d'écrans de parasites qui vont entraver la relation. Ne serait-ce que regarder la télé pendant qu'on est en train de manger. Je ne dis pas que c'est mal. On est uniquement dans le constat. Ça empêche réellement de pouvoir concentrer son attention sur l'autre et être dans la relation. De la même manière qu'on va être ensemble, mais finalement, on sera tous un petit peu scotchés à notre smartphone. Là, effectivement, ça coupe la relation. Donc, de manière beaucoup plus large, à l'instar de pouvoir étudier quel impact ça a sur la relation conjugale, on devrait étudier quel impact ça a sur les relations interpersonnelles tout court. Donc aujourd'hui, effectivement, on a un petit peu de la... un côté superficiel au niveau des relations parce que le numérique fait qu'on a accès à un profil, à un contact très rapidement et qu'on peut élargir en fait le nombre de contacts qu'on a. Donc on est beaucoup plus dans cet aspect quantitatif plutôt que qualitatif. Et oui, effectivement, ça pose problème par rapport à la recherche d'un conjoint parce que on formalise beaucoup trop finalement cette rencontre-là. Elle se fait beaucoup moins naturelle et peut-être il y a moins de profondeur aussi dans la relation qu'on peut avoir parce qu'elle est sous-tendue par le virtuel. Et parce qu'elle est aussi superficielle, cette relation qu'on entretient. Et ça entretient surtout les idéaux qu'on peut avoir. Donc ça, on va en parler. Le fait qu'on ait une utopie par rapport au conjoint, à la conjointe, par rapport aux relations maritales, en fonction effectivement de notre histoire de vie, de comment on a été bercé dans notre enfance par tous les stimuli environnants. Aujourd'hui, effectivement, on a cette espèce d'utopie qui est alimentée par le virtuel. Parce qu'en fait, il nous amène uniquement à porter notre attention sur des choses superficielles. De manière concrète, on va avoir effectivement un profil sur Internet, un profil sur Facebook, sur des réseaux sociaux. On va s'attarder sur des éléments comme les photos, les commentaires, d'où il vient, des choses vraiment qui sont finalement très superficielles. Et quand on va essayer d'entrer en relation avec la personne, la profondeur est difficilement atteignable vu qu'on n'aura pas tout ce qui est communication non verbale et qui amène réellement ce lien à la personne. On se met une pression énorme pour trouver l'amour ou un partenaire, mais finalement, trouver ou conserver l'amour relève-t-il de notre responsabilité individuelle ? Autrement dit, quid de la responsabilité de nos groupes d'appartenance, qu'ils soient religieux, ethniques, sociaux et familiaux ? On est constamment, l'être humain ne supporte pas de ne pas mettre du sens sur les choses. Donc aujourd'hui, moi, ce que j'observe chez mes patients, c'est que quand on ne comprend pas ce qui nous arrive,
ça nous amène finalement à une perte d'espoir. Parce que quand on ne met pas des mots et du sens sur ce qui nous arrive, on n'arrive pas finalement à trouver des solutions pour pouvoir s'en sortir. La responsabilité individuelle, elle en est là. La deuxième chose, au niveau de la responsabilité collective, là je vais essayer de parler un petit peu plus de la communauté arabo-maghrébine, qui effectivement, dans l'ancien temps, le mariage était une affaire familiale. Ça veut dire qu'effectivement, on mariait les personnes qu'on connaissait. C'était très facile finalement de trouver quelqu'un parce qu'on connaissait déjà la famille. Ça marchait un petit peu sous forme de réseau parce qu'il y avait une communauté solidaire. C'est ce qu'on appelle le mariage endogamique, c'est ça? Oui, tout à fait. Aujourd'hui, il y a ce que j'observe, encore une fois, c'est de mon point de vue psychologique, donc il faudrait peut-être interroger aussi les sociologues par rapport à ça, mais ce que j'observe au niveau de cette communauté-là, c'est qu'il y a aussi une déresponsabilisation au niveau familial de la question maritale. C'est qu'aujourd'hui, en fait, les familles vont un petit peu nous mettre la pression sur « Pourquoi tu n'es pas mariée ? Qu'est-ce qui se passe ? Elle est mariée et toi, tu ne l'es pas. » Donc, elle va finalement être dans la culpabilité de la personne qui n'est pas mariée, mais elle peut avoir des difficultés à finalement prendre en charge ça. On ne va pas s'asseoir et dire « Qu'est-ce qui se passe, ma fille ou mon fils ? Alors, comment tu te sens par rapport à ça ? Qu'est-ce que tu recherches réellement ?» Il y a ce manque de communication, ce manque de lien qui fait qu'aujourd'hui, les personnes célibataires, elles se sentent seules, même au niveau de leur famille. Elles se sentent pas du tout soutenues. D'accord ? Après, le point positif quand même, parce qu'on va essayer de pouvoir trouver des solutions, c'est que la communauté se rend compte de ce fléau-là. Elle se rend compte aussi de cette déresponsabilisation des familles qui fait que du coup, tu te débrouilles un petit peu. Les frères ne sont plus investis ou les sœurs aussi ne sont plus investis. Il n'y a plus cette fraternité. La fraternité est là, mais en tout cas pas pour pouvoir rechercher le consent. Ça commence à être quelque chose d'un peu tabou. Et donc, du coup, la personne se sent seule. À côté de ça, la communauté se bouge réellement parce qu'il y a beaucoup plus d'initiatives aujourd'hui pour pouvoir faire marier les gens, pour pouvoir faire rencontrer les gens au niveau de la communauté musulmane. Ça, c'est plutôt un point positif. J'ai l'impression que finalement, il y a cette déresponsabilisation familiale amène finalement à une responsabilité collective. Donc ça, c'est le point positif. Et je pense que c'est là-dedans qu'il faut investiguer pour pouvoir aider effectivement les personnes qui sont célibataires et qui en souffrent. Très bien. Et vous parliez tout à l'heure justement du célibat qui peut être vécu comme un échec, avoué ou inavoué hein, d'ailleurs. Mais c'est surtout ce que nous renvoie en fait finalement le regard de l'autre, famille, amis, collègues, mais également le regard que l'on porte sur soi-même, peut-être par ricochet ou pas, je ne sais pas, vous nous le direz. C'est d'ailleurs cette perception de soi dévalorisante qui engendre le plus de souffrance. Comment déjà l'avez-vous observé chez vos patientes et comment l'expliquez-vous? Alors, oui, effectivement, je l'ai observé. Alors, je ne vais pas dire, pour rester objective, on va dire 70% de la patientèle que je reçois pour une problématique de célibat, de solitude en fait, finalement ça nous amène à notre solitude, est en souffrance. Après, j'ai un regard biaisé parce que les personnes que je reçois, forcément, elles ne vont pas bien. Maintenant, effectivement, ce que je remarque, c'est que ça entache l'estime de soi parce qu'il y a une comparaison à l'autre. Donc, il y a réellement un travail à faire au niveau déjà communautaire, familial par rapport à ça. C'est qu'au lieu de pouvoir mettre la pression sur nos jeunes célibataires, d'essayer de comprendre ça, d'accueillir aussi leur souffrance par rapport à ça et de pouvoir les accompagner dans ce sens. Donc, au niveau familial, si ça n'est pas fait, si ce n'est pas fait, au moins que ça puisse se faire au niveau collectif. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, je définis ma valeur par rapport à la reconnaissance conjugale? C'est ça, finalement. Mm-hmm. Aujourd'hui, personne ne veut se marier avec moi. Ça veut dire que je ne suis pas une personne bien. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, c'est clairement un vecteur de l'estime de soi ou pas? Est-ce que c'est l'histoire ou la pression sociale? Alors, c'est intrinsèquement lié. Mm-hmm. Ça veut dire que la personne a des exigences aussi envers elle-même, elle a un idéal de ce qu'elle se faisait. On entend souvent les jeunes à 18, 20 ans, moi dans 10 ans je serai mariée, j'aurai deux enfants, voilà. Il y a cette espèce d'idéal qui est véhiculé et par la société et par les valeurs familiales. Donc du coup elle a déjà cette exigence et quand elle arrive effectivement à l'âge phare, où elle se rend compte, elle se dit bah non finalement c'est pas du tout comme ça que ça s'est passé. Là, elle se dit, ah là, c'est pas normal. C'est que si je n'atteins pas mon idéal, c'est qu'il y a quelque chose qui cloche chez moi. Donc, j'amène quand même les personnes à se dire, mais votre idéal, est-ce qu'il est réellement sain pour vous? Ou est-ce que finalement, c'est pas un idéal qu'on vous a attribué et qui ne vous convient peut-être pas? Après, mais là, on part finalement dans les problématiques du célibat. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, on a de plus en plus de mal à pouvoir se marier? Il y a aussi ce qu'on appelle les représentations
maritales qu'on a, les schémas familiaux qu'on a qui s'ancrent et qui se construisent tout au long de l'enfance. De quelle manière finalement on a vu la relation à travers nos parents ? Est-ce que mes parents sont divorcés ou s'ils ne sont pas divorcés, est-ce qu'ils s'entendent bien ? Est-ce que l'amour est démontré ? Vraiment tout ça, ça va alimenter la représentation qu'on a du couple. En plus de tout ce qui est médias, films, séries, Walt Disney, qui ont clairement contribué et alimenté cette espèce d'utopie du couple. Donc aujourd'hui, une utopie, on sait très bien, un idéal, on sait très bien qu'il n'est jamais atteignable. Donc ça donne des échecs, forcément des échecs. Donc je pense vraiment, pour conclure, que la personne doit se remettre en question par rapport à ses idéaux qu'elle peut avoir. Est-ce que ces idéaux sont réellement vecteurs et mobilisateurs pour pouvoir avoir une réussite ou est-ce qu'elles sont plutôt dévalorisantes parce que jamais atteignables ? Oui. Et d'ailleurs, on voit souvent des femmes accomplies, des femmes actives, engagées, cultivées, qui souffrent justement de tant de leur célibat qu'elles en arrivent à douter d'elles-mêmes. C'est ce dont vous parliez un petit peu avant, et elles se posent beaucoup de questions. Qu'est-ce qui ne va pas chez moi ? Elles sont dans la... elles entretiennent une culpabilité. Qu'est-ce que je dois changer ? Et donc leur estime de soi s'en trouve diminuée. Et est-ce qu'on peut s'aimer justement quand... est-ce qu'on peut aimer quand on est... quand on ne s'aime pas soi-même ? Et quelle routine peut-on mettre en place au quotidien justement pour lutter contre cette culpabilité, notamment d'avoir réussi professionnellement pour les femmes surdiplômées qui éprouvent beaucoup plus de difficultés à se marier. Donc du coup, si je comprends bien, votre question c'est est-ce qu'on peut réellement s'aimer et aimer l'autre si finalement on ne s'aime pas ? C'est ça. Et qu'est-ce que, au quotidien, j'essaie de reformuler pour vraiment pouvoir répondre de manière précise. Est-ce que, au quotidien, finalement, on peut avoir des petites astuces pour pouvoir booster l'estime de soi et pour pouvoir se reconnecter avec soi. Alors, bien sûr, je rejoins totalement votre question. Finalement, il y a la réponse à l'intérieur de la question. C'est que lorsqu'on ne s'aime pas, c'est très difficile d'être aimé par les autres parce qu'on renvoie à l'autre une image qui est insécurisée, qui est finalement pas bienveillante. Pourquoi une personne nous aimerait si finalement la personne avec qui on est tout le temps, donc soi-même, ne nous aime pas ? Vous voyez ce que je veux dire ? C'est qu'une personne qui s'aime et qui finalement est plutôt à l'aise, elle va renvoyer une image positive d'elle auprès des autres. Donc c'est, effectivement, c'est très compliqué. Et là, je fais le pont tout de suite avec la chose suivante qui est attention, parce que je vois souvent le mariage chez nos jeunes aujourd'hui comme quelque chose de réparateur. Ça veut dire qu'en fait, on attribue une mission à l'autre. Ça veut dire qu'aujourd'hui, je caricature hein, pour que ça puisse être concret. Aujourd'hui, j'ai eu par exemple un père qui a été absent ou un père qui a été défaillant pour les femmes par exemple, ou alors une mère qui n'a pas été très affectueuse et très, très distante avec moi. Je recherche à travers l'autre finalement ce que je n'ai pas eu dans ma relation parentale. Et ça, ça peut être dangereux parce que finalement, on inculque l'autre d'une mission dont il n'est absolument pas doté. Il a juste simplement demandé d'être avec quelqu'un pour pouvoir continuer son bout de chemin. Et tout de suite, on lui donne une mission, donc des choses extrêmes sur les épaules. Et quand bah forcément, il ne remplit pas nos exigences, là, finalement, ça va se retourner contre lui. D'où l'importance de pouvoir faire un travail sur soi et de se dire « Ok, je vais d'abord régler ma relation et mon schéma familial et mes relations parentales ou environnementales pour pouvoir avoir une relation à l'autre beaucoup plus adaptée et beaucoup plus respectueuse de l'autre. » Et alors, juste au niveau de l'astuce au quotidien, alors c'est pas magique, hein, mais effectivement, en ce moment, je découvre la méditation de pleine conscience. Et c'est une méthode qui est assez intéressante parce qu'en fait, elle nous demande juste d'être là, aujourd'hui, sur le moment présent. De ne pas chercher forcément à se relaxer, de ne pas chercher forcément à évincer des pensées ou des émotions négatives. Elle permet juste une acceptation de soi, où effectivement, on va essayer de fermer les yeux ou pas et de se concentrer sur notre respiration, sur notre ressenti intérieur. Qu'est-ce qui se passe au niveau de mon corps ? Quelles sont les pensées que je peux avoir au quotidien ? Juste d'être dans cette ouverture d'esprit et d'ouvrir les yeux un petit peu sur ce qui se passe intérieurement. Ça, pour moi, c'est le début de la bienveillance intérieure. Parce que la méditation de pleine conscience, elle nous apprend à pouvoir accueillir, que ce soit agréable ou désagréable, tout ce qui se passe à l'intérieur de nous. Donc, vous pouvez très bien taper sur YouTube « Méditation de pleine conscience », Christophe André l'a très très bien théorisé. Et effectivement, il suffit de 3 ou 5 minutes par jour de méditation de pleine conscience pour pouvoir s'apaiser et être déjà dans l'acceptation de soi. C'est pas magique, mais ça peut être un outil intéressant. Donc on retient méditation de pleine conscience, Christophe André,
Christophe André, hein, c'est ça. Donc sur YouTube, une petite recherche rapide devrait nous aider à instaurer cette petite routine et se sentir mieux.